Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et là, qui le 16 février 2023. C'était le 16 février 2023. Donc, la petite prière. J'étais entrée en prière, mais avant même que la prière ne soit finie, toute la maison était endormie. Quand on priait ici, on a dit non, on écoute dans la chambre, comme ça, on a ça la téléphone, tu peux guérir son malade. Et donc, je me suis dit que j'entre dans la chambre, je vais un peu chatter au téléphone jusqu'à ce que j'ai sommeil. Et vous m'avez dit que la vidéo est jeune fille, beaucoup, dans la petite image, les couleurs pour lui. Dieu m'a demandé de quitter la France parce que ça va être terrible. Et ça n'a pas traîné. Je suis tombée sur une vidéo où une jeune fille avait mis une image et au-dessus elle avait écrit Dieu m'a demandé de quitter la France parce que ça sera terrible. Et dans mon lobby, bon, et ça qui n'a pas si. Mais au quitte à la deuxième vidéo, la monnaie bas russe, bas ça n'est pas dans la conférence. Bâtir écran néné, bazo talané, bazo l'accendé sur le bâtiment, bois comme la bonne bombe néné, bâle comme pas d'âme. Et donc, ça m'avait choqué, et je descends à la deuxième vidéo, je vois les Russes en conférence, et sur leur écran, ils étaient un peu en train de projeter, ils faisaient la simulation pour voir lorsqu'ils vont larguer les bombes, quelle sera la situation. Quand la monnaie peut bon mot, et ça qui kenasse fou, comme la sienne, bâle en zame. Quand j'ai vu ça, je me suis mise à genoux, j'ai commencé à faire la repentance. Et dans la sixième repentance, on a vu que les gens qui étaient pour nous, on a retrouvé la place, Et donc, tout en faisant ma repentance, je ne sais pas vous dire combien de temps, et je suis allée dormir. De là, je me retrouve quelque part où il n'y avait personne. Il n'y avait pas de bruit. Et bien, ça qui nous a annoncé de façon que nous avons dit, nous avons dit que 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 nous avons dit impossible de la mise. Et j'avais tellement peur que j'ai fait un effort pour sortir de mon sommeil. Mais je n'arrivais pas à ouvrir mes yeux parce que mes paupières, c'était comme si on avait collé. Quand ma taille, la droite, la main, quand je regarde à ma droite, je voyais mon corps qui était étendu. Et moi-même, j'étais debout. Je comprends que oui, là, qu'ils aient une autre main. Et la télé m'a qu'ils aient esprit dans ma. Et là, j'ai compris que ce qui était endormi, c'est mon corps, mais celui qui est debout, c'est mon esprit. Et selon nous autres, ça la télé de son âme. Et c'est vrai que le corps ne vaut rien devant Dieu. Alors, on s'est retrouvé dans la qui posterne. Je me suis retrouvé que j'étais poitrine contre terre. J'ai vu une longue table. Je n'arrivais pas à voir son début et sa fin. J'ai vu quelqu'un qui est assis. Robe nezaki moulaï. Je vois cette personne assise, il avait une longue robe que je ne voyais pas où finissait le pan de sa robe. Ses cheveux avaient la même couleur que sa robe, il avait de longs cheveux. Et son visage était d'un éclat tellement lumineux que je ne pouvais pas voir son visage. La blancheur de sa robe, ce n'est pas le blanc que nous voyons ici dans ce monde. Sa blancheur était sainte et pure. Et la couleur du livre, on l'appelait. Et la couleur du livre que j'ai vu, cette couleur ne se trouve pas ici dans ce monde. Et j'ai vu les mains de cette personne qui était en train de tourner les pages. Et dans oiseau tourné, ils ont les la page. Quand il tournait les pages, ces pages faisaient le bruit Azoluka. Et il cherchait. Azoluka. Il cherchait.
mon enfant. Et j'ai entendu cette voix qui m'a appelé mon enfant. Voix kaya pamba. La voix seulement. Les tonnerres qui étaient en train de frapper, c'est comme si là où j'étais, ça voulait se rompre. Donc chaque mois, il y a un tonnerre. Chaque mot qu'il sortait était suivi de tonnerres. Mon enfant. Il m'a dit, mon enfant. Pourquoi je ne trouve pas ton nom dans les livres de vie? Pourquoi je ne trouve pas ton nom dans le livre de vie? Ma bouche ne pouvait pas parler, mon corps ne pouvait pas exercer de gestes, mais il avait la capacité de comprendre ce que je pensais au-dedans de moi. Vu qu'il était en train d'insister et la crainte des tonnerres que j'entendais, j'ai dit, mais moi je prie, je t'adore. Il me dit que je sais que tu pries, je sais que tu adores, et tu connais même le secret qui se trouve dans l'adoration. Ma prière pour ça là et protège à cabine la C. Les prières que vous faites vous protègent sur terre. Pourquoi vous jugez? Pourquoi est-ce que vous jugez? Pourquoi vous jugez? Pourquoi vous jugez? Pourquoi vous jugez? Pourquoi vous jugez? Répentez-vous. 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 Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Amen. Azo répété. Après, Natounié, est-ce que c'est vrai la guerre? Après, Abyssina, c'est moi qui ai le pouvoir de juger le monde. Après, il m'a dit, c'est moi qui ai le pouvoir de juger le monde. Après la tournée, est-ce que c'est vrai la guerre arrive? Et après, je lui ai demandé, est-ce que c'est vrai la guerre arrive? Aïbissina, oui, parce que ma lobanzambe et bima ezo makasimate sont et ça les fait. Parce que piso, tozo adoré mon kili. Parce que piso, tozo adoré ma biloko mon kili. On les doit adorer nzambe. Yamo Dieu a décidé de tout détruire. Parce que piso, tozo adoré nzambe. Même ma profil na bisoté. Il me dira que tu dois savoir que les paroles de Dieu quand ça sort, ça ne retourne pas sans avoir eu d'effet. Parce que vous adorez le monde, vous n'adorez pas Dieu, vous aimez le monde, alors le Seigneur a décidé de détruire le monde. Regarde même sur vos profits, vous n'adorez pas Dieu sur vos profits. Parce que vous adorez les choses du monde. Voilà pourquoi le Seigneur a pris la décision de détruire le monde. Et il va le détruire. Et parce que vous ne retournez pas l'adoration à celui à qui vous devez l'adoration. Aïbissina, regarde. C'est le beaucoup. Tant à tal la pointe le beaucoup mal, mon coup Nathalie, la monu clôture mon coup. Clôture à vous, qui bien blindé, à ta fourmi hors dans la pouvoir de Kanakuna, ni bossa porte ou Nathalie. Alors il a pointé sa main, il a dit son doigt, il a dit regarde, et là je vois une clôture bien blindé, où même un fourmi ne pourra pas traverser cette clôture. Aïbissina, pour passer cette porte, faut qu'on ait une vie à sanctification. Faut qu'on ait une paix à Moutounion, sans laquelle Moutoumon côté a un pouvoir pour les la porte. Et il me dira, là, cette barrière, pour pouvoir traverser, il faut marcher dans la sanctification.
avoir la paix avec tous, sans laquelle personne ne pourra traverser cette clôture. Après, tu le boucles, regarde. Après, il a pointé son doigt, il a dit, regarde. Pour entrer dans le nouvel Jérusalem, il faut qu'on se repentir, il faut qu'on cherche la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra la nouvelle Jérusalem. Alors, pendant qu'il a pointé son doigt, moi je regardais et j'ai vu, il y avait la forme, on dirait les mosquées, et ça brillait au loin. Et il m'a dit, là, pour pouvoir entrer, vous devez marcher dans la sanctification, rechercher la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Comment tu comprends pourquoi Dieu m'a dit de rester dans le jeûne et prier? Amen. Alors, Ebisinga, va, dis-leur, va, dis à ta famille, va, dis à l'église de se repentir. Moutoua qu'on a capable de la nouvelle Jérusalem. Et ça, qu'on a la vie à sanctification. Qu'on a la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra la nouvelle Jérusalem. Alors, il m'a dit, va, dis à ta famille, dis à l'église, dis-leur, pour pouvoir entrer dans la nouvelle Jérusalem, vous devez marcher dans la sanctification et rechercher la paix avec tous, sans laquelle personne n'entrera dans la nouvelle Jérusalem. Namona memenga place moko ezaki tout noir, ezaki neti na tunnel, makila 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 ezaki partout. Et de là, il m'a emmené à un endroit qui était sombre, on dirait dans un tunnel, et il y avait du sang. Namoni deux jeunes filles, moko alati robe à noir, moko alati pantalon à blouse, bazota la nasse. Et là, je verrais deux jeunes filles, l'une avait une robe noire, l'autre avait un pantalon et un haut. Toutes les deux regardaient vers le bas et elles étaient en train de pleurer. Et donc, moi, j'étais un peu à l'écart, je regardais leur mouvement. Et au-dedans de moi, je me disais, oh, cette fille, j'ai pitié d'elle, elle a perdu son enfant. Et dans ma vie, c'est regarde. Et là, il m'a dit, regarde. Nathalie Nakati. Quand je regardais à l'intérieur, j'ai regardé les crânes d'enfants, les pieds d'enfants, les bébés qu'on a découpés, dépiécés. Après, Elisinga, pourquoi Bozozongi sanga la souffrance? Pourquoi Bozozongi sanga la souffrance? Je me suis sacrifié à la croix pour vous. Pourquoi Bozozongi sanga la souffrance? Pourquoi Bozozongi avorté? Pourquoi Bozozongi avorté? Tant que Bozozongi avorté, Bozozongi y est batté. Ni les eaux comme la banawana. Tant que Bozozongi avorté, ma kila la banawana. Et zo ganga na trop na nzambe. Et tant que zo ganga na trop na nzambe, nga, Bozozongi sanga la souffrance. Et il me dira, pourquoi? Regarde, regarde. Et quand je regarde, après avoir vu ce que j'ai vu, et il me dira, pourquoi vous faites ceci? Pourquoi vous me retournez à la souffrance? Pourquoi est-ce que vous êtes en train de faire des avortements? Vous ne savez pas que tout ce que vous faites, cela est en train de me... le sang de ces enfants-là est en train de crier devant mon trône. Et quand ça crie devant mon trône, vous me retournez à la souffrance. Absina, regarde mes mains. Et il m'a dit, regarde mes mains. J'ai vu le trou au milieu et le sang qui coulait. Après, il dit, va. Et il m'a dit, va, dis-leur. Dis-leur, va. Va, dis à ta famille. Dis à ta famille. Va, va, dis à l'église. Dis à l'église de se repentir. De se repentir. De chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu, le Seigneur.
Et donc là, il me dira, regarde, vous devez marcher dans la sanctification. Arrêtez de suivre les pasteurs. Les pasteurs qui sont en train de prêcher le message de la prospérité au lieu de pouvoir préparer l'église. Un de mes pieds est déjà sur la terre. Il reste mon second pied. Vous devez marcher dans la sanctification. Arrêtez de suivre les pasteurs. Ils ne préparent pas l'église à mon retour. Que Dieu vous bénisse à Chichop et Papa Manza. Parce que Jésus-Christ a aimé Bino. Je vous ai donné mes serviteurs. Il m'a dit, je vous ai donné mes serviteurs. Vous comprenez, il parlait du couple archibishop. Amen. Je vous ai donné mes serviteurs. Bango, bazo tali sabino, après vie oyo, eza na vie mousous, eza di kolo. Et pour la cohérité vie wana, il faut qu'on a na vie à sanctification. Et il faut qu'on a na peine à moutounyoso. Il faut qu'on se repentir. Na pe simino, prophète, eza mouton mokilite moutacha bino l'église wana. Eza ngaï, le Seigneur Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Serviteurs, mes serviteurs sont en train de vous prêcher. Ils vous prêchent comme quoi après cette vie, il y a une vie de l'au-delà. Et pour pouvoir hériter cette vie, vous devez marcher dans la crainte de Dieu. J'ai même envoyé un de mes prophètes. Ce prophète-là, ce n'est pas l'homme de ce monde qui l'a mis. C'est moi, l'Éternel Dieu, qui vous ai envoyé dans cette église pour que vous puissiez préparer votre éternité. Et quand on joue le bambou, on a mon souffle, on a la tâche. La tâche qui n'a pas. Et quand il disait ça, je me regarde, je vois que ma robe avait des taches, des taches, des taches, des taches, des taches. Mais quand je regarde sa robe était vraiment immaculée. Après il dit singa, après la tournée Seigneur, ce que nous osons le bas, osons on a qui enlèvement que ça les mains. Banane a aussi que barbouillé, bah qui enlèvement ça il faut pas m'attarder, c'est le Saint Esprit qui va identifier les saints. Et alors moi je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais Seigneur, vous vous parlez de l'enlèvement. Comment est-ce que nous saurons que l'enlèvement a lieu ou bien qui est souvent être enlevé? Il a dit, c'est le Saint-Esprit qui va vous faire savoir cela. Après la MC, mais est-ce qu'il va conduire Melanga? La MC n'a eu essentiel le message pour moi. Va, dis-leur, va, dis à ta famille, va. Dis à l'église. Amen. Alors moi je lui ai dit, mais Seigneur, tel que tu m'envoies là, est-ce qu'ils vont prêter à l'oreille à ce message? Il me dit, l'essentiel est que tu transmettes le message. Va, dis-leur, va, dis à ta famille, va, dis à l'église. Après, il dit, toi, tu as trouvé grâce, il y a que mon amakambo. On a côté de Koye Bissamango. Va, dis-le, azo répéter. Bon, je reviens. Le temps est fini. Bon, vous allez la vie à scientifique, azo répéter, répéter. Nayo la mouka, na comprendre comment qui s'y est pour Nayoka qui dadi azo bon maman poke, azo bon maman poke moussala. Et là, il me dira, va, dis-le, vous devez marcher dans la vie de la sanctification. Le temps est fini. Vous devez marcher dans la vie de la sanctification. Va, dis-leur, dis à ta famille, dis à l'église. Et il était en train de répéter, il était en train de répéter jusqu'à ce que je suis revenu à moi et j'ai compris qu'il était 6 heures parce que mon mari s'apprêtait pour aller au travail. Bon, moi, bien, ils ont dit pour nous, tu es banal au salakati.
bana balamu ki bazo ki bazo benga mama nazo mona ba mena olo matenzo te bujeti. Et là, je n'avais même pas le moyen d'appeler mon mari parce que tout mon corps était tétanisé. Mon corps ne bougeait pas, je n'arrivais pas à faire le mouvement alors que les enfants étaient réveillés. Ils étaient en train de courir dans la maison, maman, maman, mais je n'arrivais pas à faire un seul mouvement. Et avant que je ne me réveille, il m'avait dit, il m'avait donné comme recommandation, avant que tu ne donnes ce message, sois dans l'attitude de la prière. Et Alors, lorsque je me suis réveillée, j'ai fait ce qu'il m'avait recommandé de prendre un temps dans la prière. J'avais envoyé le message à notre groupe de famille, comme quoi j'avais un message à leur transmettre. J'avais fait cela, mais comme maman archibishop Mireille, elle était en Israël, je n'ai pas voulu la déranger jusqu'à ce qu'elle revienne. Et c'était le samedi 25, lorsque je suis entrée sur YouTube, j'ai vu le direct. Quand j'entre en ligne, et là, c'est que maman archibishop était en train de parler comme quoi le Seigneur m'a montré au sujet des avortements. Quand maman archibishop a dit ça, je sentais comme si on était en train de briser tous mes os de l'abdomen et mon ventre était vraiment agité. Lundi, comme l'avait dimanche, moi, mais lundi, il faut que ça la tourne comme ça, message. Et comme je savais que le lundi, ce n'était pas possible d'avoir maman archibishop, j'avais pris la décision que le lundi, coûte que coûte, je dois transmettre ce message. Et il y a ça la paix qui n'a sur la qui n'a pas dit maman archibishop voice, les salas qui n'a les cas qui n'a ligne. Et c'est ce qui a fait que j'avais envoyé le message vocal à maman archibishop jusqu'à ce qu'elle m'ait permis de passer en ligne. Mais bientôt il y a des bosso qu'on a maté qui n'a monté ma fona s'est repenti envers baron, c'était mes parents. Les premières personnes envers qui le Seigneur m'avait mis à cœur que je devais me repentir, c'était mes parents. Étant dans la salle disons en privé, mais au salon européen en public. Et comme je l'avais d'abord fait en privé, et par après, je l'ai fait en public. Et ça, pour vous dire qu'il y en a Babylon, sous au sala, à tout signer l'amour pardon. Mais s'il faut signer l'amour pardon public, fais-le, pour la grâce. C'est pour vous dire qu'il y a certaines choses qu'on avait fait, même si on avait fait la repentance en privé, il est important de le faire en public pour pouvoir avoir la miséricorde du Seigneur. Parce que la paix, ça va me passer. Parce que je leur avais fait du mal. Quand je dis passe, c'est passe. Quand je dis mal, c'est mal. Et la paix, ça fait ma parole spirituelle dans ma passe. Et j'avais fait aussi du mal à nos parents. Par rapport à mon comportement. Par rapport à mon comportement. Que Dieu me pardonne encore. Que Dieu vous pardonne. Entre en quelques détails, que ce que tu avais fait aux parents biologiques pour aider cette jeunesse. Alors, ton Nazaki, maman, mes parents ont bâti quand on a fini l'âge à 3 ans, il a 3 ans. Mes parents m'ont laissé en Afrique, j'avais 3 ans. Et Baba Nekoubounati n'a âge à 10 ans, il a eu l'âge. Ils se sont battus jusqu'à ce que j'ai eu 10 ans, c'est là que je suis venue en Europe. En grandissant, j'étais devenue têtue. Donc je n'abandonnais pas ça là où on a bien.
Je faisais ce qui me plaisait. Je leur faisais souffrir, je fuguais. Donc, je faisais ce que normalement un enfant normal ne pouvait pas faire. Et mon papa était même connu à la police. Quand il venait, on lui posait la question, tu viens encore pour ton enfant? Et quand je sortais de la maison, eux ne savaient pas ce que je faisais. Ça n'arrivait pas à leurs oreilles parce que dehors, j'étais une autre personne. À la maison, j'étais Patricia. À la maison, dehors, j'étais Priscilla. Crank est un mot anglais. En vérité, ça veut dire crazy. Et ailleurs, j'étais crank, qui signifie que j'étais folle. Donc, je faisais des choses aux acquis incroyables. Je faisais des choses incroyables. Eux ne savaient rien parce que quand je rentrais à la maison, j'étais enfant. Quand j'étais dehors, j'étais moi avec ce qui me concerne. Mais Apocalypse 3 dit. Je connais tes œuvres. Amen. Il me voyait Jésus-Christ. Amen. Alors, les gens pour Nathan. Il y a beaucoup à dire et ce qui a fait que le Seigneur m'avait recommandé de commencer par demander pardon à mes parents. Ils ont souffert, ils ont fait la cueillette en Europe pour que moi je vienne. Mais ma mère une fois me disait, Patricia, je vais laisser ma casa, je vais aller à la pomme. Elle me dit que tu sais, moi, on m'a fait manger la chikwang avec les herbes, tout simplement parce que j'étais tombée enceinte de toi et que j'avais refusé d'avorter. Pourquoi tu me fais souffrir comme ça? Et le Seigneur voyait la souffrance qui était dans leur cœur. Malgré que j'ai changé, malgré les cas dans mon banni, mais pas sur les tikana. Malgré que j'avais changé, bien que c'était passé il y a des années, mais cette souffrance était demeurée. Vu que j'ai fait ce qui était la volonté du Seigneur, raison pour laquelle vous voyez Patricia aujourd'hui.